L'avocat est le fruit d'un arbre tropical de la famille des Lauracées nommé avocatier. L'avocat est bien plus qu'un simple fruit délicieux, sa richesse nutritive ajoutée à ses bienfaits pour la santé en font un aliment incontournable dans une alimentation équilibrée. Ce fruit très prisé est riche en vitamine C, en antioxydants et en fibres. Les fibres améliorent le transit intestinal, donnant l'impression de satiété, ce qui évite le grignotage. Consommer régulièrement des avocats contribue à renforcer le système immunitaire, à réduire le mauvais cholestérol LDL et augmenter le bon cholestérol HDL. L'avocat aide à prévenir le vieillissement grâce à l'élastine, une hormone favorisant l'élasticité dermique. La consommation régulière d'avocats stimule la production du collagène, une protéine nécessaire à la cicatrisation et l'élasticité cutanée. De plus, leur teneur élevée en vitamine E dynamise une peau saine et leur apport en vitamine K, source de potassium, est indéniablement utile dans la régulation de la pression artérielle, prévenant de ce fait l'ostéoporose. Les vitamines C et E, ainsi que les oméga-3 réduisent les risques de cataracte dans les yeux, protégeant ainsi la vue. En intégrant les avocats dans votre régime alimentaire, vous pourrez améliorer votre hygiène de vie et promouvoir une santé physique optimale. Alors n'hésitez plus, adoptez les avocats comme un élément essentiel de votre alimentation pour profiter de tous leurs bienfaits nutritionnels. Le noyau d'avocat, riche en acides aminés, nutriments, polyphénols et antioxydants qui servent la régénération de la peau. Une fois réduit en poudre, le noyau d'avocat est un ingrédient indispensable pour un masque facial idéal. Contre les menstruations douloureuses, l'avocat est un allié de taille, à cause des graisses insaturées permettant d'amoindrir l'inflammation. Sa vitamine E permet également d'éradiquer certains symptômes du syndrome prémenstruel. L'avocat est une perle nutritionnelle grâce à ses éléments nutritifs uniques aux vertus partiellement élucidées.